Bethélie et Milolo. Alléluia. Que le Seigneur mais Jésus. Alléluia. Il a changé ma vie. Alléluia. Et moi que le Seigneur mais Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup Bethélie et ma beaucoup pourquoi Lélo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ma beaucoup, ma beaucoup. Come on. Alléluia. Il a changé ma vie. Alléluia. Et moi que le Seigneur mais Jésus. Alléluia. On y va. Écoutez. Alléluia. Alléluia. Et moi, alléluia. Alléluia. Je chante un nom. Alléluia. 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 Et moi, alléluia. Alléluia. Ce soir, c'est Dieu là, je campe la moto, mon copo, alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Et t'es là, sur Milolo. Comment? Yemba, mon campolié, 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 à ce coup c'est la salle, mon camolié, mon monnaie est c'est bon, y'a camali, mon soin tombe à la salle. Alors nous sommes, mon camolié, mon monnaie est c'est bon, y'a mimi si man a confinement, la confinement, mon camolié, mon monnaie est et pas mon camolié, mon camolié, mon camolié, mon camolié, mon camolié, mon monnaie est. Les deux hommes, je suis au Cambolié, 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 des cris de joie pour le roi des rois. Alléluia. Oh, il est bon de le louer. Il est bon de danser pour le roi des rois. Il est bon d'élever le nom de Jésus. C'est lui. C'est lui la vie. C'est lui l'ingenda. Il s'appelle Jésus. C'est Jésus. C'est lui la notre verge. En réalité,
Jésus était le lingenda de Moïse. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est lui la vie. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. À la joie ce soir, dans ce deuxième culte d'adoration, où nous parlons de la crainte de Dieu. Alléluia. Nous bénissons Papa Willy Lokongo qui nous a introduit dans ce message. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Et je rends grâce à Dieu pour cet honneur qu'il nous fait ce soir de parler de sa part. Ce soir, nous allons parler de sa part pour qu'on l'adore. Pour qu'on l'adore. Lorsque la parole de Dieu sort, elle sort pour qu'on l'adore. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi avant de commencer, je vais demander à quelqu'un de me conduire dans l'adoration. Ézéchiel. Merci Seigneur. Emmanuel. Comme un éternel tu es, comme un éternel tu es, comme un éternel tu es, je t'aimerai bien. L'agneau immolé tu es, l'agneau immolé tu es, Jésus, l'agneau immolé tu es. Ce soir, je t'aimerai comme un éternel. 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 Je t'aimerai. L'agneau immolé, Jésus. L'agneau qui ôte le péché du monde. Résurrection de mon âme, Jésus, tu es. T'auras, t'auras donné de vie. T'auras donné de vie, Jésus. Seul désir, celui de t'adorer en moi. Ah, 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 ah. Oh, je veux exprimer, mon désir, celui de t'adorer en moi. Adorer, je veux exprimer
ôte le péché du monde. De son fils unique Jésus. Boligoni noyo, boligoni noyo, boligoni noyo. Yesu, boligoni noyo, boligoni noyo, boligoni noyo. Yakotika te bolikala, boligoni noyo, boligoni noyo, boligoni noyo. Animali wa soni de kulusu baligoni noyo baligoni noyo ya ya eh oh na na wa yes baligoni mote manaka kana na wa ya ya Jesus Jesus na na ngolo kana na wa baligoni ya bona patena sebe. Yes, Shatarabaya, oh Ramamaya Toroboyo, Remeshetereboyo, oh Riamaya Taramaya Ndoroyaba, Remeshekereboyo, oh Ramamashotoroboyo, eh Remeshekereboyo, Ramashotoroboyo, oh Ramayandaraba, eh Remeshekerebeandaraba, Ramayandaraba Yandoroyaba, oh Ramayandagarakaba. O Ramayana Narakaba Yandorobo Yondorobo Yondoroyobo. O Ramayana Narakama Yandorobo Yondoroyobo. Eremeye Nengerekeba Yandaraba. O Ramayana Narakaba Yandaraba. O Ramayana Narakama Yandorobo Yondoroyobo. Remeye Nengerekeba Yandaraba Yondoroyobo. O Ramayana Narakaba Yandaraba Yandoroyaba. Remeye negereke bayana raba uramayana ngaraka mayando robo yondoro yaba remeye negereke bayana raba uramayana ngaraka mayande rebeye ndereyo uriyamaya sandara bayana raba yende mwana na nzambe yende mwana na mpate yende mwana na moto. Atona bolingo eh, atona mawa eh, yende nzame na biso eh, topamboli Yesu masia eh, tonoteli Yesu amasia eh, azali nzambe, topamboli na pokwa ya lelo eh, yende mokonzi na bakonzi eh. Yende mokonzi na bakonziye, yende mokonzi na bakonziye. Totomboliye na pokwa ya leloe, tonetoliye na pokwa ya leloe. Pona bolingo na ye, pona mawana ye. Yende nzambe na mawae, yende nzambe mosantue, yende mosantu na basantue. Topa moliye na pokwa ya leloe. Longonya lokumu na Yesu amasia. Topa moli Yesue. Tonetoli Yesue. Topa moli Yesue. Yende nzambe na mawaye. Atonda bolingoe. Atonda bolingoe. Tu es Dieu. Jésus Christ, tu es Dieu. Comment ne pas élever ton nom?
qui est capable d'entrer dans ta présence? Aucun homme. Ta sainteté est inexplicable. Personne ne peut atteindre cela. Personne ne peut entrer dans cela. N'eût été ton amour, qui comparaîtrait devant ta face? Mais ton amour, les entrailles de ta miséricorde, les entrailles de ta miséricorde nous ont fait entrer dans ta présence. Nos entrailles de ta miséricorde nous ont amenés dans ta présence. Si aujourd'hui nous parlons le ciel, c'est parce que tu nous as aimés. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Que ce soir, que nous t'adorions par amour et par reconnaissance. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Des cris de joie pour le roi des rois. Alléluia. 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 Il est digne. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbes. Au chapitre 14, verset 27. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Je répète la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. On n'a qu'un pour la parole de Dieu. On n'a qu'un pour la parole de Dieu. Oui, mon frère et ma soeur, ce soir, j'aimerais te dire quelque chose. La crainte de Dieu. Nous parlons beaucoup de la crainte de Dieu. Que beaucoup confondent. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. Je répète. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. Je répète. Le lingala est pauvre parce qu'on répète les deux, on répète les deux mots. La crainte de Dieu. Non, il n'y a pas un autre mot. La crainte de Dieu, c'est une dévotion, c'est le respect. Ah, qui me comprend ce soir? Alléluia. Qui n'a rien à voir avec la peur. La peur vient du diable. La peur vient du diable. Mais la crainte de Dieu vient de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, depuis que le Seigneur Jésus est arrivé, que signifie craindre Dieu? C'est quoi craindre Dieu? Écrivez. Craindre Dieu, c'est refuser de croire l'offre que Dieu a donnée à l'homme. Je répète. La crainte de Dieu dans la nouvelle alliance, c'est refuser l'offre que Dieu a faite à l'homme. Je répète, parce que l'homme était dans les ténèbres, il n'avait aucun moyen de sortir. Mais c'est Dieu qui vient vers l'homme. Alléluia. C'est ça le début de la crainte. Reconnaître que c'est Dieu qui est venu en premier vers moi. Ce n'est pas moi qui est allé vers Dieu, ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a fait une offre. Alléluia. Ah, qui ne peut pas crier des cris de joie pour les voisins? C'est Dieu qui nous a fait une offre. Dans les ténèbres où nous étions, aucun homme ne pouvait craindre Dieu. Tout celui qui est né d'une femme, né, il ne peut pas craindre Dieu. Aucun homme sur la terre est né d'une femme peut craindre Dieu. Aucun. Aucun. Blanc, rouge, noir. Femme, homme. Jeune homme, jeune fille. Quand nous naissons incrédules à Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même a pourvu pour que l'homme commence à le craindre.
Il fallait que le Fils de Dieu vienne. Alléluia. Il fallait que le Fils de Dieu vienne. C'est Jésus qui est la manifestation de la crainte de Dieu. La preuve, on a donné les 10 commandements à Israël de la Genèse à Malachie. Échec sur échec. Ils n'ont jamais craint Dieu. Malgré tout ce que Dieu a dit, Israël n'a jamais respecté. Pourquoi? Parce que le seul qui pouvait ramener la crainte de Dieu, c'était Jésus-Christ de Nazareth. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi tous les prophètes de la Genèse à Malachie, tous ont failli. Tous. Adam le premier. Tous. Abraham a failli. Noé a failli. Enoch a failli. Tous ils ont failli. Car la chair humaine ne peut pas craindre Dieu. Tout celui qui est né de la chair et du sang humain ne peut pas craindre Dieu. C'est impossible. Mais Dieu dit, je veux que vous me craigniez. Voilà pourquoi je vous fais une offre. Le roi des rois va quitter son trône. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour craindre Dieu, il faut être de la même nature que Dieu. Ah, tu me comprends ce soir? Pour craindre Dieu, il faut être de la même nature que Dieu. Avant Jésus, personne n'avait la nature de Dieu. Mais quand le roi des rois, quand il a expiré à Golgotha, quand il est remonté dans la gloire, la Bible déclare, 10 jours après, il y a eu boomerang sur la terre. Il y a eu boomerang sur la terre. Le Saint-Esprit est descendu. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons craindre Dieu. Alléluia. L'homme ne peut pas craindre Dieu. La preuve, je vous explique tous les jours. Moi, personne ne m'a appris à voler. Mais à l'âge de 13 ans, j'entrais dans la chambre de mon père. Je volais de l'argent. Pourquoi? C'est la chair et le sang de l'homme. Ça, écoutez-moi très bien. La chair de l'homme, même si l'homme est bien, mais il est mauvais. Parce que la chair de l'homme produit la mort. Le sang de l'homme produit la mort. Mais la crainte de Dieu, elle est pour les élus. Ceux qui ont été rachetés par le sang, qui ont été régénérés par l'Esprit de Dieu. Voilà les hommes qui peuvent craindre Dieu. De toi-même, jamais. Tu peux prendre une décision. Sans Jésus, sans le Saint-Esprit. Okokoya. Alléluia. Mais le roi des rois, lorsqu'il est installé dans le cœur, il y a une nouvelle vie qui commence. 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 Alléluia. Voilà pourquoi la crainte de Dieu, elle commence d'abord par notre foi à la solution que Dieu a donnée à l'homme. Si tu ne crois pas à ça, tu ne craindras jamais Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, le plus important, Jésus a dit, quand je reviendrai, qu'est-ce qu'il a dit? Trouverai-je la foi? Voilà la question qu'il a posée. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Il n'a pas demandé autre chose. Parce que c'est la foi en Jésus qui produit le changement. Ah, qui me comprend? Si tu ne crois pas ce que Jésus a fait pour toi, tu ne changeras jamais par le Saint-Esprit. Tu changeras par toi-même. Et ça, c'est la loi. C'est ta chair. Fin de fin. Au Okokwea. Mais la crainte qui vient de Jésus, le Saint-Esprit prend le contrôle de la vie. Maintenant, c'est lui qui t'oriente.
Ne fais pas ça. Voilà pourquoi la crainte de Dieu n'est pas la gloire de l'homme. Mais la crainte de Dieu de l'homme, c'est la gloire de Jésus. C'est la gloire du Saint-Esprit. Si aujourd'hui, moi qui étais impudique, moi qui étais alcoolique, si aujourd'hui j'ai la grâce de ne plus boire, de ne plus coucher avec les femmes, ce n'est pas parce que je suis fort. Non, mais la grâce que j'ai eue, Dieu m'a amené à la solution. Alléluia. Dieu m'a amené à la solution. Dieu m'a amené à la solution. Et la solution, c'est l'agneau immolé. C'est l'agneau immolé. C'est lui la solution de Dieu. C'est lui. Si tu refuses de croire à la solution que l'agneau t'a donnée, tu ne crains pas Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu veux dire à Dieu, tu es un imbécile? Pourquoi tu es devenu un homme? Dieu est devenu un homme pour que moi aujourd'hui, je le craigne. Si Dieu n'était pas devenu un homme, aucun de nous n'allait craindre Dieu. Mais Dieu, c'est lui qui a fait le premier pas. Il est devenu un homme. Avant que toi tu deviennes une femme esprit, avant que je devienne un homme esprit, Dieu est devenu un homme animal. C'est ça le commencement de la crainte. Alléluia. Quand vous refusez de croire la solution que Dieu t'a donnée, tu ne crains pas Dieu. Tu peux prier, tu peux jeûner. Si tu ne crois pas à la solution que Dieu t'a donnée, tout ce que tu fais, c'est zéro devant Dieu. Pourquoi? La seule gloire de l'homme, c'est Jésus. La seule gloire que tu as, la seule gloire que j'ai devant le Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est mon représentant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez ce qu'il a dit. Allons lire dans Jean. Jean 17. Oh, j'aime beaucoup cette prière. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Jésus a déjà prié pour moi. Écoutez. Jean 17. Allons lire, on saute, je saute les premières que vous pourriez lire à la maison. Nous commençons au verset 9. Écoutez ce qu'il dit. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père Saint, gardez-les. Père Saint, gardez-les en ton nom. Père Saint, ce n'est pas un homme qui a prié. C'est le Dieu Tout-Puissant lui-même qui a prié pour toi, qui a prié pour moi. Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie. Une joie complète, parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ah. Jésus a prié pour toi. Il a prié pour toi que le Père te préserve du mal. Comment
ne peux-tu pas adorer Jésus? Le problème, nous ne voulons pas entrer dans la dimension de l'accomplissement qui a eu lieu en Christ. Car ne peut vivre la gloire de Dieu en lui, c'est-à-dire quoi? La crainte de Dieu, c'est la gloire de Dieu en nous. Car c'est la vie de Jésus manifestée en nous. Je répète, la gloire de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est venue habiter en nous par le Saint-Esprit. Et c'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons marcher dans la crainte de Dieu. Mais cette crainte de Dieu est synonyme de reconnaissance de l'amour que Dieu nous a manifesté. Alléluia. Alléluia. Mais si tu crains Dieu pour recevoir quelque chose, tu ne crains pas Dieu. Si tu crains Dieu pour être béni, tu ne crains pas Dieu. Parce que pour la plus grande bénédiction que Dieu t'a donnée, tu n'as jamais demandé à Dieu. Qui a demandé Jésus à Dieu? Qui me lève le doigt. Si tu es ici, si tu as demandé Jésus à Dieu, lève-moi. Lève ton doigt. Procureur, c'est toi qui avais demandé à Dieu. Alléluia. Maman ministre, c'est toi qui avais demandé à Dieu pour que Jésus descende. Mais quel était le plus grand besoin de ta vie? C'était Jésus-Christ de Nazareth. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Le plus grand besoin de l'homme, c'était Jésus-Christ. Il est le plus grand besoin de ta vie. Il est le plus grand besoin de la vie de l'homme. C'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme n'a pas un plus grand besoin que Jésus. Voilà pourquoi je dis, celui qui refuse l'offre Jésus, c'est lui qui ira en enfer. Celui qui refuse l'offre Jésus, c'est lui qui ira en enfer. Ce jour-là, il n'y aura pas de repêchage pour lui. Avais-tu cru en Jésus? Non, je n'avais pas cru. Il n'y a pas de repêchage. Alléluia. Alléluia. La crainte est le fruit de l'Esprit de Dieu. L'esprit humain ne peut pas craindre Dieu. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui met en nous la crainte de Dieu, qui met en nous l'adoration de Dieu, qui met en nous la louange à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. L'homme animal ne peut pas. Jamais. Mais l'homme qui est régénéré, c'est-à-dire celui qui a cru en Jésus-Christ, la clé pour entrer, croire en Jésus. Il n'y a pas deux entrées. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Voilà pourquoi, qui craint Dieu, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. Il craint Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la foi en Jésus qui te fait entrer dans le royaume. Maintenant, dans le royaume, Dieu maintenant t'équipe. Dieu ne peut pas t'équiper si tu es en dehors du royaume. Et le plus grand équipement, c'est Dieu lui-même. Ah, qui comprend ce soir? C'est Dieu lui-même. L'équipement de l'homme nouveau, c'est lui-même. Dieu est venu faire de toi sa résidence. Tu es la résidence de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la résidence de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous marchons à nouveauté de vie. C'est par le Saint-Esprit que nous craignons Dieu. Voilà pourquoi on n'a pas parlé des fruits de la chair. Ce n'est pas toi qui produis ce fruit. La crainte de Dieu, tu ne peux pas la produire. C'est le Saint-Esprit qui produit. Voilà pourquoi dans Galates 5, on dit voici le fruit de l'Esprit. Non, le fruit. Il n'y a qu'un seul fruit. Le Saint-Esprit n'a qu'un seul fruit. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le fruit du Saint-Esprit. Marie a été, alléluia, Marie a été choisie par Dieu pour donner naissance à Jésus.
par le Saint-Esprit. C'était une image du croyant. Lorsqu'il donnerait sa vie, le Saint-Esprit viendrait donner naissance à Jésus-Christ dans sa vie. Qui est la crainte de Dieu? Jésus-Christ de Nazareth. Qui est la bonté manifestée? Jésus-Christ de Nazareth. Qui est la maîtrise de soi? Jésus-Christ de Nazareth. Tous les fruits qu'on a détaillés là-bas, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi on parle du fruit au singulier. Allez lire dans Galates 5. Ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier. Voilà pourquoi Jésus mérite ton adoration. Parce que c'est lui qui a produit le vouloir et le faire en toi et en moi. Si aujourd'hui tu crains Dieu, ne te glorifie pas, mais glorifie celui qui a accepté les ténèbres de ta vie, qui a subi le jugement de ta vie, la condamnation de ta vie. Glorifie-le, parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui tu es devenu le temple du Saint-Esprit pour manifester la crainte de Dieu. Nous ne glorifions pas. Alléluia. On ne se glorifie pas de ce que l'Esprit manifeste. Mais nous glorifions de la source. Et la source, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La source, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La source, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, à cause de la source, il a droit à ton adoration. Car avec Jésus, la crainte de Dieu a commencé. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ en vérité, en esprit, la crainte de Dieu a commencé. Je répète à quelqu'un ce soir, si nous avons dit dans ce ministère que la délivrance est un processus, cela ne veut pas dire que tu ne crains pas Dieu. Non, ce sont ceux-là qui craignent Dieu, qui cherchent à faire plaisir à Dieu. Et la délivrance est un moyen pour faire plaisir à Dieu. Ne cherche pas la délivrance pour ton intérêt, mais cherche la délivrance pour glorifier celui qui t'a accepté dans sa présence. Il n'a pas demandé 100% de délivrance pour te parler. Non, s'il te parle aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. C'est grâce à Jésus. Voilà pourquoi tu as prié. Tu le fais au nom de Jésus pour dire à Dieu, je ne suis pas digne que tu m'exauces, mais je viens au nom de celui-là que tu exauces toujours, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Si tu veux avoir une prière exaucée, donne-moi 100% de crainte. Je répète. Si tu l'as, lève ton doigt maintenant là. Passe ici, moi je laisse mon micro. Et je pars. Si tu as 100% de crainte de Dieu, en toi il n'y a rien. Il n'y a que la crainte de Dieu. Viens devant ici. Je te laisse le micro, moi je pars. Les gens ne comprennent pas la sainteté de Dieu. Pour parler à Dieu, il faut 100% de sainteté. Bon, qui a 100% de sainteté? Les missionnaires, vous êtes là. Vous atteignez 100%. Levez vos doigts. Qui atteint? Papa, nous sommes. Tu atteins 100% de sainteté. 100%. Alléluia. Si tu as 100% de sainteté, lève ton doigt. Chaco. Franck. Ketia? Maman ministre, tu as 100%? Procureur? Bon, alors comment Dieu vous exauce alors? Alléluia! C'est grâce à Jésus! Ah, Jésus n'est pas pressé dans ta vie. Parce que tu ne comprends pas que si le Père nous accepte, c'est parce que Jésus a fait l'œuvre qui nous qualifie devant le Père. Il a fait l'œuvre qui te qualifie devant le Père.
par le sang, par le sang de l'agneau, nous sommes qualifiés pour parler à Dieu. En dehors du sang, tu n'as aucune perfection. Voilà pourquoi le sang de l'agneau est la gloire de l'homme. Alléluia. Le sang de Jésus, c'est la gloire de l'homme. Voilà pourquoi on adore Jésus pour son sang versé. Parce que le sang te représente devant Dieu. Si tu crois, le Saint-Esprit va te manifester la gloire en toi. Tu vivras. Voilà pourquoi moi je n'ai pas honte. Je m'appelle Saint Paul David Olangi de Christ. Je n'ai pas honte. Pourquoi? Parce que le sang m'a qualifié de m'appeler saint. Saint Paul David Olangi de Christ. Et puis mon nom de famille c'est plus Olangi. Mon nom de famille c'est Christ. Qui était converti dans les années 80? Qui lève son doigt ici? Qui s'est converti dans les années 80? Papa, comment on s'appelait dans les années 80? Comment on s'appelait? Frères et sœurs? Hein? Ah, maman Sophie, toi tu étais converti dans les années 80. Non? Comment on s'appelait? Hein? Frères et sœurs? Toboyango, alors que c'est comme ça qu'on a commencé. C'est le nom de notre famille. Lorsque nous serons dans la gloire, on ne dira pas Olangi, on ne dira pas oh Mwanaputu, on ne dira pas Lusamba. Sur nos fronts sera écrit Christ, 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 sur nos fronts. Voilà pourquoi nous sommes une famille. La famille Christ. Oh, voilà pourquoi Jésus, si c'est lui qui te qualifie tous les jours devant le Père, il mérite ton adoration. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons adorer. Alléluia. Oh Jésus, toi l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Adonai, tu mérites l'adoration de ce soir. Tu es le seul qui le mérite. Oh Dieu puissant. Oh Adonai, ton nom. Oh Jésus, laisse-moi t'adorer encore ce soir. Oh Yeah.
la croix, mon identité a changé. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Oh, je me prosterne, moi je me prosterne. Yo sali malamu mokonzi na lola Na yembela yonze mbwa bolingo E uti motema na ngai Yesue Yo yo na sopela yo fololo yo Ya motema na ngai elombe Okumama na yo Hallelujah Kontina lola e Yesu na boi kovanda e Na kitina makolo na yo mokontina lola Na memela yo ninye Olo palata ya yo e Yesu nanga e Yaya na memeli olo yembo yo Yesu Yamba yango mokontina ngo Kumama na yo e Komela masanga otala nyoso anate ya ya yo kufelinga yo yo moto masumu boye bolingwa boye na monate o bolingo ya boye na kozwango wapie bolingwa boye na kozwango wapie yelombe na yembela yo tembo yo tembo bolingo e uti motema e Kumama na yo Yahweh Hallelujah Yahweh Kumama Kumama Yahweh Yesu Yahweh Yaya kumama na yo Yahweh Hallelujah Yahweh Kumama Yesu Ezali seyo mokonzi na lola e Yesue na yembela yo nzembo yo E uti motema na nga e Kumama na yo e Yahweh,
moto kokani nango mama o mikokani nango yesu we mama o nana bika yesu we mama na million tembo bolino mama yesu we utimbo tema Jésus. Oh, come on.
Oh, Seigneur, on se voit, tu y en a.
Tu as quitté ton trône pour devenir ma crainte devant le Père. Car te craindre, c'était donner la mort. C'était de donner la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais ta crainte à toi, Jésus, envers le Père, pour nous, nous a donné la mort qui nous a donné la vie. Tu nous as donné cette mort qui représente la crainte de l'homme envers Dieu.
Voilà pourquoi tu as droit à notre adoration. Tu as droit que nous soyons reconnaissants. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes venus devant ton trône de gloire pour élever ton nom, pour adorer ton nom, pour glorifier ton nom, pour honorer ton nom, pour célébrer le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Que cette adoration te soit, ne soit que pour toi. Et je te dis merci pour ma soeur et mon frère qui a accepté de venir t'adorer ce soir. T'adorer pour Jésus. Que la gloire te revienne, papa. Et je déclare pour la vie de ma soeur, je déclare pour la vie de mon frère, que la crainte de Jésus, car il est le seul qui craint Dieu, la grâce que nous avons eue, et je déclare ça pour ta vie, que la crainte de Jésus pour son père te soit manifestée dans ta vie, te soit manifestée dans ta vie, que dans ta vie on voie la crainte de Jésus dans ta vie, que tu sois synonyme de la crainte de Dieu pour la gloire de notre Seigneur. Que toute la gloire revienne à celui à qui le Amen lui est à lui. Nous lui disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Des cris de joie, des acclamations pour le roi des rois. Pour le roi des rois. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Motema nanga mokonzi na lola e Yesu na boyi kovanda e Na kiti na makolo na yo mokonzi na lola Na memela yo ninye Olo palata ya yo e Yesu nanga e Yaya na memeli olo yembo yo Yesu Yamba yango mokonzi nanga Kuma